je crois qu'elle se doute de quelque chose. Qui ça? Maman, quand je lui ai dit que j'allais au théâtre avec Cécile, elle m'a regardé d'une drôle de façon. Une façon comment? Comme ça. Elle sait très bien que Cécile a horreur du théâtre. Et comme je mens très mal. Bah, c'est toi qui le dis. Si, si, je t'assure, je suis très maladroite. J'ai bafouillé, j'ai rougi, j'ai tout de suite parlé d'autre chose. Un machin dressé. Un machin? Au citron? La même chose. J'aurais dû changer de chaussures. Nous aurons des enfants. J'appellerai ma fille Françoise. Et si c'est un garçon? Ce sera une fille. Il y a toujours eu des filles dans la famille. Une heure, si maman ne dort pas, oh là, qu'est-ce que je vais entendre? Je devrais me maquiller, tu ne trouves pas? Non, tu es très jolie comme ça. Un peu ici. Où ça? Là. Vendrons des parapluies, et puis non, pas des parapluies, nous vendrons le magasin. Nous achèterons une station-service. Pourquoi? Quelle idée! Toute blanche, avec un bureau, tu verras. Tu sentiras l'essence toute la journée, quel bonheur! Nous serons très heureux, et nous resterons à tu n'as rien dit à ta mère? Pas encore. Pourquoi tu es lâche? Il ne faut pas que tu te fâches, mais je sais ce qu'elle me répondra. Quoi? Ma petite fille, tu es folle. Est-ce qu'on pense au mariage à ton âge? Ma petite fille, tu es folle. Est-ce qu'on pense au mariage à 16 ans, 17 ans? Amoureuse! Est-ce que je suis trop laide ou trop bête? Mais non, tu n'es pas laide, tu n'es pas la merveille des merveilles. Mais on ne peut pas dire que tu sois laide ni sotte. Seulement tu as le temps. Tu crois aimer, mais l'amour c'est autre chose. On ne tombe pas comme ça, amoureuse d'un visage que l'on croise dans la rue. C'est un jeune homme que j'ai rencontré plusieurs fois et qui m'aime. Nous voulons nous marier, tu ne dis rien. Mais je suis stupéfaite. Je suis allée avec lui au théâtre hier soir. Magnifique! Alors tu m'as menti et tu avoues sans la moindre honte. Ce n'est pas honteux de vouloir se marier. À ton âge, si. Enfin, non. Tu es une petite fille, toute petite. Tu ne sais rien. Évidemment, ce n'est pas avec ce que tu m'as dit que je saurais me débrouiller. Lorsque j'ai épousé ton père, moi, je ne savais rien. Il n'y a pas de quoi se vanter. Le marchand de couleurs, s'il vous plaît. C'est la porte à côté. Qu'a-t-il fait tant? Bien entendu, il n'a pas fait son régiment. Non, il vit avec sa marraine, une dame
qui l'a élevé. Il n'a que moi et tu verras, il est très beau. Je ne verrai rien du tout, mais maman, monte à l'appartement. Il est temps de préparer le déjeuner. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Bonjour. Au revoir. Ah mon Dieu ! Geneviève ! Nous sommes perdus. Toujours les grands mots. 80 000 francs à payer avant le 15. Tu trouves ça drôle ? Et si tu ne paies pas ? On nous saisira. Je travaillerai. Quel genre de travail ? N'importe quoi. Au poste ? Où est la mairie ? Pourquoi pas ? Tu comprends, maman ? Si je me marie, Guy et moi, nous travaillerons, nous pourrons t'aider. Mais ma petite fille, il n'est pas question de te marier. Enlève ça, tu vois bien que tu me gênes. D'abord, a-t-il un métier? Est-ce qu'il peut te faire vivre, élever des enfants? Il n'est pas riche, nous vivrons simplement et nous n'aurons pas tout de suite des enfants. Non, mais au moins, ce n'est pas lui qui paiera mes impôts. Depuis hier, je n'ai plus un sou en caisse. Dans tes bijoux, mes bijoux jamais. À quoi te servent-ils? Tu ne les regardes même pas. Et si j'ai un coup dur? Qu'est-ce qui nous arrive? N'est-ce pas un coup dur? Non, c'est impossible. Si je vendais mes bijoux, j'aurais l'impression de me dépouiller, d'être toute nue. Eh bien, trouve autre chose. Autre chose, mais nous n'avons rien. Allons, vends le magasin. Saute, de quoi vivrons-nous? Évidemment, un bijou, ce n'est qu'un bijou. Si je changeais de coiffure, ma bague de fiançailles, elle est affreuse. Ce bracelet, il est importable. Personne n'en voudra. Et ton collier? Mon collier, tu crois? C'est un crime, non, jamais je ne m'en séparerai. D'ailleurs, il est sûrement faux. Allons donc, après tout, il n'est pas si joli que ça. Cet après-midi, nous irons chez Monsieur Dubourg. Ensuite, je passerai chez le coiffeur. Quelle beauté, une pure merveille, n'est-ce pas? C'est une pierre de taille. Si vous me permettez l'expression, voici quelques rubis, saphirs, émeraudes. C'est la caverne d'Ali Baba, la parure de la belle au bois dormant. Bonjour Madame Emery, bonjour Mademoiselle Geneviève. Bonjour Monsieur Dubourg. Vous permettez, je vous en prie, Mademoiselle est devenue une bien jolie jeune fille. Il y a si longtemps que je n'avais eu le plaisir. Mais que puis-je faire pour vous? Vous pouvez parler sans crainte. Nous sommes dans une situation difficile. Geneviève est grande et m'aide de son mieux. Elle n'est pas en cause, mais j'ai de lourdes charges et j'ai pensé. Enfin, je dois faire face à une échéance dont les conséquences risquent fort de nous compromettre. Et je viens vers vous comme on vient.